paquet, bande d'abrutis de cadavres chassant. Vous avez tous rendez-vous à la morgue. De manière permanente, cette fois. Attendez, j'ai pas l'impression de rêver. Est-ce qu'on est vraiment là? Peut-être que suivre les conseils de voix mystérieuse dans une caverne n'était pas une si bonne idée, après tout. La dernière fois qu'on a fait ça, on n'avait pas de public. Oh, bon sang! Ce sera comme de tenter de faire pipi alors que quelqu'un regarde. On doit explorer chaque recoin de cet endroit. Je veux pas passer une minute de plus que nécessaire dans cette arène infestée de vomi. La foule n'a pas été aussi mortifiée que ces pauvres âmes lors de notre dernier voyage. Il doit y avoir une raison au pourquoi du comment. Les spectateurs se délectent de notre détresse. Nous ne sommes qu'un divertissement à leurs yeux. Ils veulent qu'on se batte jusqu'à la mort. Là seulement ils nous acclament. Vous là, les bâtards dans les gradins! Vous trouvez ça marrant? Pourquoi vous ne descendez pas pour voir, hein? Et couvrir vos mains de sang et de merde! Plus que quelques munitions. Je peux pas me permettre de mal viser. Si on peut résoudre toutes leurs énigmes et vaincre leurs guerriers, alors la porte s'ouvrirait. Putain, pourquoi est-ce qu'il avait raison? Pourquoi est-ce qu'il disait la vérité? Puis je trouverai l'homme au masque. C'est lui le responsable. Il n'échappera pas à son champion. Personne d'autre ne va commenter à quel point on est ridicule. Je veux... Franchement, j'ai l'impression d'être un genre de barbare celte. Mort instantanée. Juste imaginez des planches plus solides. Des points de suture. Attends ton tour, monstre. Je vais tous vous faire votre fête. Point bonus. Plus de munitions? Eh bien, je suis dans le beau drap. Enfin, pas si bon. Tant de sauvagerie. Qui sent le moisi. Ah, ça fait du bien d'être apprécié. C'était vraiment pas possible d'avoir du bois plus solide pour changer. Point doublé. Mon père me racontait des histoires à propos de Dana. Selon les légendes celtiques, c'était la mère de la Terre. Apparemment, maman est une petite connasse. Une arme, moi je sème la mort. Et c'est comme ça à l'infini. Une fois encore, j'ai été distrait et j'ai oublié de compter mes balles. Je sens que les chakrams sont prêts en moi. Je vois que les murs sont aussi habillés d'argent que sur le dos. Trop puisé dans les munitions. Enlevez-moi ça de là! Je suis allergique aux poils de chat! Méchamment allergique!
La moitié de ce qu'on croise veut nous tuer ici. Et l'autre moitié a l'air de vouloir nous filer un coup de main. Il était temps que tu la fermes. Munitions au max. Je suis preneuse, et j'en ferai bon usage. Scarlett, quand tout ça sera fini, tu devrais rejoindre la Légion étrangère. Chaud, reste près de moi, mon ami. J'aimerais éviter que tu perdes un autre œil. Ou n'importe quelle partie de ton anatomie. J'apprécie Bruno, mais j'ai toujours mes deux yeux. C'est juste que l'un d'entre eux est un peu... laiteux. Les chakrams sont alimentés. Point bonus. Oui, petit chakram, je sais que vous êtes là. Encore. Qui a pris toutes mes balles? Diego! L'argent sanglant. C'est la monnaie dans ce droit. C'est peut-être pas le truc de Bruno de tuer. Pourtant, il est très doué. Donc, t'es décidé à me dire ce qui est arrivé à ton œil? Ça m'intrigue toujours, Shaw. Tu sais que la curiosité est un vilain défaut, Bruno. Très vilain. En particulier dans ce cas précis. Terrible histoire. Voilà des ennuis. Énormes, agressifs, émotifs. Comme moi, mais normalement. Parfois, il suffit d'un moment comme celui-là pour se souvenir qu'on a vraiment pas envie de mourir. Ça doit être les précédents participants. Les mauvais. Point doublé. Entendre la soif de sang dans les cris de la foule. Ils adorent ça. Ce n'est qu'un gros combat de coq. Munitions au max. Ah, oui, oui, je te comprends à présent. Désolé, Shaw. Parfois, la tournure... de balles et je meurs. Je ne vais pas me réveiller dans cette grotte. Je crois que c'est un pouce en bas.
Regarde un peu ce que tu me fais faire, pauvre imbécile. Regarde un peu. Quoi? Le feu ne les blesse pas? Baliverne! Je devrais peut-être dire des âneries. Allez, mon vieux. J'ai besoin de ton cerveau embrumé. Oh, merci, Choupette. C'est bon de savoir que tu fais attention à moi. Tu portes un peu plus de maquillage. Pause, Bruno. Retourne au travail. Surveille tes arrières. Merci d'en avoir fait autant. Aïe! Je connais des types qui payent pour se faire malmener comme ça. Et moi, je les paierai bien pour prendre ma place. Et soutenir cette dernière parole. Bon sang, mon ami! Tu lui as explosé le carafon! Tiens, voilà tout l'amateur de fusil à pompe! Personne n'avait jamais dit ça, jusqu'à aujourd'hui! Mort instantanée! Ah, voilà un flingue taillé pour moi, léger, vif, sujet à de longues salves mortelles! Mais pourquoi es-tu si obsédé par mon œil, Bruno? Tu as dû voir bien pire pendant tes années dans l'armée! Et dans les gangs! C'est vrai, j'ai vu et fait bien pire. Une fois, j'ai retiré le globe oculaire d'un rival avec une petite cuillère rouge. Il a pleuré pendant toute l'opération. Tout va bien, Joe. Devenu tout pâle. On a bien fait. Je préfère les chiens au chat. Et encore plus maintenant. Ça t'apprendra à me grogner dessus. Point bonus. C'est ça, vermine. Tonton Stanton va vous donner le dessert que vous méritez. Rien de plus motivant, pas vrai? Munition au max. Ne soyez pas timide, cher Macabé. Diego a un petit quelque chose pour vous. Je sais que tu n'es pas sûr de pouvoir me faire entièrement confiance, Scarlett. Mais c'était le cas de ton père. Non. Mon père est... Même si je serais plutôt d'avis de prendre la fuite. Ces trucs ont toujours un point faible. Une vulnérabilité à exploiter. Je ne veux pas être un boulet, mais si quelqu'un pouvait m'accorder un moment, je préférais ne pas saigner à mort dans cette saleté de colisée. Oh, j'en viens à regretter mon manteau en cuir. Ah, oh, ne regarde pas comme ça. Je t'ai laissé me toucher en premier. Quelqu'un d'autre veut essayer de s'approcher? Braderie. J'ai jamais été très chanceux, mais à qui pour aller? Voilà ce qui se passe. Cette concentration, où qu'on n'a jamais été concentré. Ça suffit comme ça. Vous allez crever, ici et maintenant. Ha! Je suis plus coriace que j'en ai l'air, hein. Voici point doublé. Assez de tendons. Ah. T'attends pas à ce que je te traite comme mon héros. Lâchez les profanés. On va peut-être enfin se tuer un peu, non? Préparez-vous. Le gros pas subtil est de retour avec ses brochettes. Une fois de plus, je me retrouve face à un mur avide d'argent. Garde tes griffes par terre. J'étais bien pressé de mourir. Enfin quelqu'un qui fait taire ces maudites créatures. Merci, Scarlett. Un hacheur fou. Attention, il aime bien lancer ses armes. Prends-toi ça, espèce de bûcheron à la manque.
Mort instantanée. Quel est le contraire de mort instantanée? Mort lente? Mort qui traîne en longueur? C'est comme voir des déjections. Bah, ça me fait penser. Scarlett, tu vas nous payer? Ou bien on se contente d'une part de butin? Ou je m'appelle pas... Shaw, Stanton Shaw, c'est ça. Je me souviens de mon nom. Et pourquoi pas des armures sur les tigres? Je ne lirai plus jamais le livre de la jungle de la même façon. J'ai l'impression que tu as honte de ton passé, Bruno. Ça doit être difficile. Je suis très fier du mien. Rappelez-moi de vous raconter mes expériences lors de la bataille de Ciudad Juárez. Si tu continues ton histoire, mon petit Mexicain, je te rappellerai gentiment de quoi je suis capable. Oh, et en un instant, tous tes problèmes sont faits. Les décapitations, ça marche toujours avec la foule. Et la foule, elle adore Diego. Putain, ça peut pas finir maintenant. Pas comme ça. J'ai été imprudent. Et nous ne pouvons pas nous le permettre aujourd'hui. Pas d'inquiétude, ma chère. Je suis sûr que tu pourras me rendre l'appareil plus tard.